appeler Marco. Putain de merde. Il va pas être content. I smoke like an asthmatic spider, and it seems my legs are so long. My heart becomes heavy like a stone, but I smoke like an asthmatic spider. Sinon, il y a ma soeur qui va encore gueuler. Attends. Regarde ce que j'ai reçu, là. Des lecteurs Blu-ray, franchement, ça te mange pas. Écoute, pour l'instant, ça va, merci. Ah, par contre, ce que j'adore, c'est la pendule que tu m'as filée hier. Ça, c'est chambé, ce truc-là. T'as vu, ça fait de la vie, moi. C'est parfait. Bon, à tout vite. Bien, quoi. Tranquillou. Wow, 300 euros d'électricité. C'est bon, ça, hein? Surtout en ce moment. T'inquiète, là, j'ai les thunes qui vont tomber bientôt, là. Ah ouais? C'est quoi que tu vas faire? Tu vas te prostituer, c'est ça? Non, mais là, oui, ça marche de mieux en mieux. Je sais pas, t'as passé l'âge de faire tes conneries, quoi. Je te préviens, Johan. Si jamais j'ai des emmerdes chez moi à cause de tes plans à deux balles, ça va chier. Ça va. Ouais, je sais, t'es un grand garçon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien, non, ça? C'est une horloge mouette, c'est Léo, il en a récupéré plein, il m'en a filé une. C'est une horloge mouette? Ouais. Et il y a des trucs à bouffer? Putain de bordel! Pourquoi ce noir de merde est venu nous cambrioler? Je l'avais jamais vu avant. Je comprends pas d'où il sort. Oh, tu viens manger, Riton? Allez, sors de cette piscine, sérieusement, c'est pas le moment. Si, si, moi j'ai vu un noir l'autre jour au supermarché. Sinon, non, il y en a pas par ici, alors... À mon avis, où il est de Paris, où il est de Marseille. Il peut pas être du coin, il nous a pris pour des Américains, cette espèce de gros connard. Allez, mange, Marco, ça va te faire du bien. Et toi, viens, arrête de barboter, là. Ça doit pas être trop loin. Mais bon, à part une saloperie de miracle, je vois pas vraiment comment on va pouvoir le retrouver. Oh! Pas à table. Bon, et toi, tu peux venir manger, maintenant? Pas me casser. Puis c'est Félix, apprend que t'existes. Je m'emmerde, Félix. Je suis plus un gamin. Pff, t'es complètement barge. Ça se voit, tu connais pas Félix. Bon, faut que j'y aille. Thank you.
T'étais où? C'était bien long. Je suis partie me balader, j'ai fait des courses pour toi. Elle était longue la balade, putain! Allez, viens ici. Allez, viens, tu fais ta belette, là. Ça va pas qu'elle voit un autre gadjo? Qu'est-ce que tu dis, le débile? Lâche-moi. Tu sais quoi, Johnny? J'aime pas comme elle te parle. Tu veux que je te pêche? Que je t'arponne comme une truite saumonée? Hein? Tu faisais moins la belle quand je t'ai ramassé, alors je te préviens. Si tu vois un autre gadjo, je vous vide tous les deux. Je vois personne, Félix, je vois personne. Allez! Bon. Il s'agit de l'honneur des Panucci en jeu. Et Panucci, c'est nous. Tes bijoux appartenaient à notre mama de Regista. J'ai eu Mustapha au téléphone qui me garantit que c'est pas un de ces mecs qui a fait ça. Alors ce putain de noir, on le retrouve mort ou vif? On l'aura, Marco. On l'aura. Trop cul. Ça va? Allô? Un truc de ouf, non? Un Marseillais, tu dis? Oui. Ça vaut du blé, ça, quand même, non? Attends, t'emballe pas, je sais pas. Attends. Je sais qui je vais appeler. Ok, bon, on m'escrède, hein, s'il te plaît. Moi, je veux juste de la thune, ok? Pas d'embrouille. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, allez, je vais voir ma meuf. Tu vois encore ta meuf, mais t'es un dingue, toi. Allez, ça va, t'inquiète. Je compte sur toi. Le mec est pressé. Il veut du cash. Non, ça m'intéresse pas. Ouais, je te remercie. Ça va, tchou. C'était quoi? C'est un mytho, là, qui vend des médaillons de Marseille. Tu vois le délire, je comprends rien. Quoi? Je dis une connerie, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les bijoux du Marseillais, ouais, ouais, je suis au courant de tout, je sais tout. Il est au courant? Ouais, je... Non! Une question, une réponse. Il crèche où? Allô, princesse, c'est moi. Bon, écoute, il m'arrive une histoire de ouf. J'ai trouvé des bijoux, il y a de la thune aussi. Largement assez de thune pour qu'on se casse, d'accord? Alors, il faut partir tout de suite, tu me rappelles? Vous êtes qui, les blaireaux? Alors... Clémentine Coste, coucou. Écoutez. Tu parles pas? En revanche, tu peux faire des signes de tête si tu veux. Voilà,
Maintenant qu'on se connaît bien, hein, que tu connais les blaireaux, ça va être beaucoup plus convivial. Alors, comme tu t'en doutes, on n'est pas venu faire du tourisme, on n'a pas tout à fait la tête. Hein. Mais par contre, je vais te proposer un jeu. Il s'appelle le jeu de la vérité. C'est très simple. D'accord? Mais tu es sage. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, tu poses pas de questions non plus. Alors, allez. Ils sont où les bijoux? Je comprends pas ce que vous demandez là. Je suis même pas au courant. Je sais pas, vous vous êtes trompé de maison. Ah oui, non, mais là, tu mets pas beaucoup de points au compteur. Hein? Clémentine Coast, 0 point. Mais j'ai confiance. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qui ont une valeur inouïe. Et par exemple, ces bijoux, ils sont dans notre famille depuis 4 générations, hein? C'est 4, hein? 4. Ils appartenaient à l'arrière-grand-mère de Rekista, notre arrière-grand-mère. Et on y tient beaucoup. Beaucoup. Depuis voir cette meuf. Mais qu'est-ce que tu nous chantes? En gros, là, ce que tu nous expliques un petit peu, c'est que le mec qui a nos bijoux à nous, en même temps, il met ça dans la lunette de Félix. Ouais, c'est ça. Félix. Tiens, tiens. Dire que Léo il s'est fait choper. Ah putain. Et pour l'histoire là, des bijoux, y a d'autres personnes ou quoi? Personne. Enfin si, Tina. Qui? Tina. Tina. Bon. Moi, je vais chez les Gitans des Bois, je la ramène et on se casse. Chez les Gitans des Bois? Non, mais yo! Faut que tu grandisses, yo. Ouais, c'est toi qui me dis ça? Une nouvelle taf de merde? T'as pas de fric, t'as pas de mec? Je grandisse, ouais. Ça, faut que tu travailles, je crois. Hein. Tu fais quoi ici, là? T'es heureuse? Ça va? Ça a pas l'air, hein. Moi, je te dis, c'est notre chance. Et je vais pas la laisser passer. C'est bon, la sauce. J'adore la sauce. Y'a quelqu'un qui fout de là, ceux-là, là. Les Panucci. Asseyez-vous. Comment ça va? Ça va moyen. Très moyen. Bon appétit. On mange à toute heure chez vous. On bouffe quand on veut, tête de mort. Félix, on est ici pour les bijoux.
C'est quoi ce putain de bijou? Vas-y, descends. Bon, c'est là-bas. J'y vais tout seul. C'est des jobards. S'ils voient une meuf comme toi, tu vas pas kiffer. Je suis chez moi. Je suis en train de bouffer tranquille avec Johnny. Et vous venez me faire chier avec une histoire pourrave de bijoux. Paraîtrait que c'est ta femme qui les aurait. T'as cramé, toi ! J'essaie de rentrer à la caravane ! Fais attention, Luigi. Tu me dis que ma femme vous a chouraffe des bijoux ? C'est pas vrai, Félix. Vous parlez trop mal, putain ! C'est moi qui vous baisse, je vous enfile ! Mais t'enfiles quoi, toi ? À part ta main ? Hein, Tony ? Il se prend pour Tony Micheli. Montana. Tony Montana. Tony Micheli, c'est le mec de Madame est servie. On s'en fout, c'est un Italien. Il est pas cubain, Montana, non? Marco? Mais on s'en bat les couilles. Je vous repose la question. Vous êtes bien sûr? Vous êtes venu me dire que ma femme vous a chouave des bijoux? Un cambrioleur, type africain, un marseillais qui traîne dans les parages, nous a volé nos bijoux. Pour être plus précis, un noir qui squatte chez une blonde, décolorée, un peu hystérique. Et qui baisse ta femme. Mais toi, t'as pété une durite. T'as les fils qui se touchent, mon pote. C'est qui, celui-là? Il doit être Félix. C'est bien, on va gagner du temps. Tu vas lui parler bien, sinon j'irai violer ta famille à l'hospice. Ah, il est bien, lui. Très fin, très subtil. Assieds-toi, Johnny, calme-toi. Alors, c'est quoi ton problème? Dan, tu vas laisser Tina venir avec moi. Ta gueule. Tu te fais bouillard par un noir de Marseille ou par ce petit con? Je le connais pas, Félix, je te jure, je le connais pas. Et de deux? Et de deux? De deux, t'as une perle et tu la mérites pas, connard. Alors maintenant, Tina, c'est ma femme. Et si t'es pas d'accord, je t'éclate ta gueule de facochère. C'est chaud, lui. T'as chaud, toi. Attends, il y a un 3, il y a un 3. Et moi, j'ai envie de savoir le 3 avant de t'ouvrir le ventre. Et alors, ce 3? Le 3? C'est que ça se passe maintenant. Oh, oh. Reste en vie, petit Seb. Sauf ton respect. Mais là, ça me concerne. Hé, hey, pourquoi t'as mon flingue, toi? Yo! Tu fais quoi, là? Oh, Clémentine Coste! Oh, youpi! Tu es venu! Ouais, bon, on finit d'abord avec le gadjo. Personne ne le touche. Sinon, vous saurez pas où sont les bijoux. Je comprends plus. Elle a nos bijoux ou elle a nos bijoux? Ok, on se calme. 2 secondes, d'accord? Hein? Tant qu'on sait pas où sont les bijoux. Et on s'en bat les couilles des bijoux. Ils tirent Tina. C'est le bordel. J'adore. Pour la dernière fois. Où sont les bijoux? Dans ton cul. I smoke. Comes heavy like a stone. Clémentine. But I smoke like an asthmatic spider. Viens me voir. Allez, ma chérie, viens. Maintenant, l'être de saumonée. Ça va?
Allez, on se barre. Pas encore. C'est pas fini. Vous parlez tous trop mal. Et mon Johnny, il est tout déglingué. Et puis les bijoux, moi, j'aime ça. On fait vraiment pas ça chez moi.